Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui nous allons prendre un petit peu soin de notre sourire. Oui, parce que le sourire c'est très important. Voilà, il faut le savoir, moi j'adore sourire et donc j'adore avoir les dents blanches. Avec Smiladict, vous allez avoir un blanchiment dentaire parfait qui est 100% naturel avec zéro sensibilité, zéro peroxyde. Ça n'abîme absolument pas vos dents et ça va venir les blanchir. Alors à l'intérieur, vous avez la poudre charbon qui se trouve juste ici. Vous avez le dentifrice, ça c'est le kit extrême, donc avec le brossage de dents quotidien. Vous avez la poudre charbon. Vous avez également les petites bandes. Alors ça c'est le blanchiment durable, ça c'est hyper efficace. Vous allez obtenir le blanchiment que vous voulez. Il y a 30 minutes de pause, donc je vais venir l'appliquer. Et ensuite, bien évidemment, le sérum, juste incroyable. Ça c'est THE sérum à avoir absolument dans sa salle de bain. Donc on se donne rendez-vous tout de suite et je vous montre un petit peu les étapes. Les filles, je viens vous parler de ce sérum qui est juste incroyable. Il fait le buzz partout. Il est toujours en rupture de stock. Donc là, je suis trop contente de vous en parler. Ça veut dire qu'il y a de nouveau du stock et ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, il vous suffit de mettre deux petites pressions au niveau de votre brosse à dents. Moi, c'est la brosse à dents bambou qui est vendue dans le pack. Et donc là, je vais vous montrer en fait tout simplement les résultats. Soyez bien attentifs. Ça, c'est le blanchiment éphémère et instantané. Je vais vous montrer que ce côté-là. Et là, ce côté, je vais le faire. Vous voyez, en fait, toutes les zones jaunes et les zones qui vont devenir bien blanches. Donc, juste regardez bien. Je frotte bien. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est une pépite ce produit, s'il vous plaît? Regardez-moi les dents. C'est incroyable. Donc, vous avez le blanchiment éphémère. Moi, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut ça et il faut le blanchiment durable. Ça, c'est le blanchiment éphémère. Ça, c'est un effet miroir. C'est-à-dire, de suite, ça va apporter de la brillance. Ça va éliminer les taches, bien évidemment. Tout ce qui est taches jaunes, en fait, ça va agir comme un shampoing violet que vous ferez sur des blondes. Vous voyez, ça efface tout simplement les mauvais reflets. Ça les élimine, les reflets jaunes, vous savez, qu'on peut avoir sur notre blond. C'est exactement pareil au niveau des dents. Donc ça, c'est le produit phare. Il faut absolument l'avoir. Vraiment, c'est une pépite. En plus, seulement 25 euros avec mon code. Et ensuite, vous avez le blanchiment durable avec les bandes. Moi, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. L'autre est durable. Ça, c'est le coup d'éclat. Et vraiment, c'est juste parfait, les filles. Regardez. Directement, on a la blancheur. C'est un truc de fou. Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Vous êtes très intriguée sur ma relation privée. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, ma fille, c'est ma priorité. Avant tout le reste, le temps passe si vite. Les enfants grandissent tellement vite qu'autant vous dire que tous ces moments, je les prends et je les garde au fond de mon cœur. Tu me connais bien, tu dois savoir que j'ai déjà tout organisé. Je suis la pire organisatrice, j'organise un an à l'avance les voyages. Les filles, c'est normal que ce soit foncé parce que je ne fais plus de mèches. Je ne fais plus de mèches qui peuvent abîmer mes cheveux parce que du coup, je les ai trop fragilisées. J'ai constamment fait des décos. Donc là, je les mets au repos. C'est pour ça qu'en fait, là, on touche à ma racine, mais on fait que des patines, juste pour éclairer un peu ma racine. Mais je ne fais plus de mèches, au moins jusqu'à cet été. Il faut que je prenne mon mal en patience et cet été, j'espère qu'ils seront mieux pour que je puisse reprendre soit mon blond que j'aime, soit refaire des mèches classiques. Les filles, je vais faire les courses. Je sais, c'est tard. J'aurais dû les faire plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais faire mes courses maintenant, enfin les grandes courses. Et comme ça, après, j'irai juste à Grand Frais en fin de semaine. Mais là, au moins, j'ai le plus gros. Comme ça, quand Ruby, elle rentre.
c'est faire les courses, les grandes courses. Et après, j'irai chercher la plupart de mes légumes, poissons, viande chez Grand Pré. Je le ferai un autre jour. Peut-être demain ou samedi, je verrai. Voilà. Allez, on attaque. J'ai trouvé le pain hot dog et Ruby, elle a tellement aimé ça en vacances que du coup, je vais lui refaire à la maison. Elle sera trop contente. Tellement ce pain pour faire des croque McDo. Ça servira et Ruby, elle aime trop ça avec des bons œufs. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça change des pains briochés géants. On va voir ce que ça donne. C'est que la date elle va pas jusqu'à loin, je vais jamais manger 4 yaourts d'un coup, donc ce sera pour une prochaine fois. Je vais opter pour ça, regardez. Et mais vous savez qu'ils vendent des trucs périmés en fait. Regardez, c'est 3,04 et on est déjà dans le 5. Oh mais what? Les amis, regardez, je voulais prendre ça. Regardez bien les dates quand vous prenez à manger. Là, c'est daté le 3, on est le 6 quand même. Dans un magasin. Ok, on peut les manger quand même, mais c'est chaud quand même. Bon, voilà, bah du coup, je peux prendre que ma pistache parce que les autres, ils sont périmés. Mais lui, c'est demain. C'est demain, comme si je mangeais 4 euros demain. Je m'énerve là, en fait. Oh là là, même le chocolat blanc, c'est 0,5. J'ai fait la vraie blonde. Je suis allée voir les gens, j'ai dit, c'est pas normal qu'ils soient périmés. Mais on est en mars, on n'est pas en avril. En fait, je croyais que le mars, c'était 0,4. Mais en fait, pas du tout. La honte. La honte. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-moi. Je vais prendre ceux-là aussi pour ma bibinette. Aussi. Voici mon rangement. Je vous ai pas montré. Sorry. Mais regardez. J'ai tout bien rangé. Ma passion, c'est de tout ranger comme ça. J'adore les filles. Ça, c'est vraiment le coin de Ruby. On va goûter. C'est grave bon les amis.